Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Phuket. Dans cette vidéo, je vous montre des images d'un parc qui se trouve à côté de Phuket Town. Je vous emmène dans un secteur qui n'est pas du tout touristique, mais vous allez voir. Enfin, si vous êtes comme moi un peu curieux et intéressé par les cultures des autres pays, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. J'ai vraiment bien apprécié ce lieu, ambiance université, des parcs d'entraînement, une piscine avec de grands bassins, des gens qui marchent, qui courent, qui font du vélo. Vraiment une ambiance très sympa dans cet espace, situé en bord de mer. Et j'y ai découvert ces personnes qui étaient en train de jouer à ce jeu un peu étrange, qui ressemble un petit peu à un jeu de croquet, dans la mesure où ils utilisent un maillet en bois et une boule qui semble être en bois également. Le long d'un parcours délimité de part et d'autre, les différentes personnes étaient plutôt des messieurs d'âge mûr. L'un d'entre eux prenait des notes, donc il semblait marquer chaque coup. La balle est déplacée d'un endroit à un autre. Ils utilisent un maillet en bois jusqu'à la fin du circuit. Et à son terme, le jeu consiste à passer la balle dans une porte. La porte ici est constituée de deux bouteilles et au centre, ce qui ressemble à une bouteille montée sur une rotule qui, au passage de la balle, tourne sur lui-même. Il y a comme ça tout un parcours dans ce parc. J'avoue n'avoir pas voulu déranger ces messieurs qui semblaient très concentrés, qui ont bien sûr donné leur autorisation pour que je les filme, mais je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec eux, mon taille étant trop limitée et je ne voulais pas déranger. Et vous, connaissez-vous ce jeu? Il me semble que c'est un jeu de croquet, mais je n'en suis pas certaine. Si vous avez des informations, eh bien je suis particulièrement intéressée d'en apprendre davantage sur cette activité. Il y a visiblement tout un parcours. Peut-être s'agit-il du Gate Ball, ce jeu inspiré des Japonais. Ça se trouve donc dans le parc de Sapanpin, à l'est de Phuket Town. Waouh! Je mettrai bien sûr la géolocalisation de cet espace Sapan Inn à Phuket. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, même si elle n'est pas très complète car je n'ai pas encore trouvé d'informations. Justement, si vous en avez, je suis preneuse. À bientôt. Bye bye.